Yo, c'est la Team S3 et aujourd'hui on s'attaque à l'attaquant préféré de ton attaquant préféré. Bow. Il a 3 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde des Clubs, 4 Ligue 1, 3 Super Coupes d'Europe, 2 Super Coupes d'Espagne, 3 Trophées des Champions, 2 Copa del Rey et 1 Coupe de France. Ouais, vous l'avez compris, aujourd'hui on s'attaque à Karim Benzema. Dans sa carrière, il a joué 371 matchs, il a marqué 175 buts. Ça équivaut, écoutez bien, ça équivaut à 1 but tous les 2 matchs. Ça veut dire le mec, aujourd'hui il marque, demain il marque pas. Mais demain il marque, mais demain il marque pas. Et après il marque. Pour illustrer ses statistiques, nous allons effectuer un parcours. Il est super simple, on slalome, on élimine un joueur et on marque. On a 2 essais. Faudra au moins mettre un but sur 2 essais pour avoir le même niveau que Benzema. Si on met plus, on est plus fort que Benzema. Non. T'es pas plus fort que Benzema ? Non. Allez, c'est parti. That's loud. Sur 64 buts avec le Real, il en a mis 21 de la tête. Ça veut dire un but sur 7. Et il a mis un but. Après, il a mis un but. Après, il a mis un but. Après, two hours later. Après, il a mis une tête sur 164. Pour illustrer ses statistiques, on doit faire 700. On doit mettre au moins un but de la tête. Un but. Benzema, c'est pas juste un buteur, c'est aussi un passeur hors pair. C'est vrai, c'est ouais, vrai. Il a pas de père, il a pas de daron. Non, des passes, des passes. Sur 332 matchs, il a délivré 79 passes décisives. Tu sais, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à une passe D tous les 4 matchs. 4 matchs. On a préparé un petit jeu comme sur FIFA pour représenter les petites passes D, t'as vu? Ah ouais. Allez, on va au quartier. Yes, allez. On espère que vous avez kiffé cette vidéo, merci d'avoir visionné. Laissez un petit pouce bleu si vous pensez qu'on est meilleur que Karim Benzema. Et dites-nous en commentaire s'il mérite de jouer en équipe de France. Parce que Didier Deschamps, t'es un fils de... Yo la famille, en vrai, ça sert à rien d'insulter. Mettez-nous en commentaire quel joueur vous aimeriez avoir dans cette série. Et comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, abonne-toi.